truc de ouf. Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn. Bonjour les frères et sœurs, ça va? C'est extraordinaire. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Dites-moi, mes frères et sœurs, dites-moi. Entre les hommes et les femmes, qui s'habille le mieux? Qui s'habille le mieux de nos jours? Très belle question. Ma soeur, c'est pas pour te frustrer quand nous faisons cette vidéo. Hein. Mais toi, mais tu connais. Tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bien. Ah! Dieu va nous aider. Répondez à ma question maintenant. Un truc hors du commun. J'ai observé, j'ai regardé. J'ai analysé. Et finalement, j'ai décidé de vous poser cette question. Aujourd'hui, là, nous tous, on va se regarder dans le miroir. On va bien se regarder dans le miroir. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, quand les filles s'habillent, elles appellent leurs camarades. Elles disent, ah, ma copine, c'est comment? Viens me voir, viens me regarder. Est-ce que je suis sexy? Est-ce que je suis sensuel? Est-ce que je peux séduire quelqu'un? Même le diable, si c'est possible. Moi, je ne vous comprends pas. De quel monde sommes-nous? De la manière dont les filles s'habillent aujourd'hui, là, ça ressemble beaucoup à des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Et toi, mec, quand tu sors comme ça et tu tombes sur une fille qui est habillée d'une manière bizarre, tu as l'impression même qu'elle est nue. Quand tu tombes sur de telles images où tu la vois avec un collant, qu'est-ce que tu dis? Tu es là comme ça. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tu commences déjà à prier. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force de résister à la tentation. Parce que c'est le diable qui est là. C'est le diable. Ah! Parce que la fille, là, elle est habillée tellement sexy. Ça plaque son corps. Même ses parents à la maison en parlaient depuis, elle ne comprend pas. Ses parents lui disent, écoute ma fille, tu n'as pas besoin de t'habiller sexy pour trouver un homme de ta vie, pour gagner le cœur d'un homme. Tu n'as pas besoin d'exposer ton corps pour qu'un homme soit attiré par toi, s'il te plaît. Habille-toi décemment. Elle dit non, laisse-moi tranquille. Maman, laisse-moi tranquille. Tu peux pas m'apprendre mon métier. Tu peux m'apprendre mon métier. Ton métier, c'est quoi? C'est même quoi ton métier? C'est même ça ton job. T'habiller de façon sexy pour séduire les gens. Parce que c'est ça, hein? La séduction. Oui. Les jeunes filles, là, elles sont en train d'être utilisées par le malin, par le diable, pour séduire les gens. Les gens comme nous. Vous avez fait quoi? Mon frère, dis à la fille qui est à côté, là. T'as même fait quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Ah! Quel est le problème avec toi? À cause de vous, on ne peut même plus marcher la tête levée comme ça. Parce qu'on va voir trop de choses. Maintenant, répondez-moi. Entre les hommes et les femmes, qui s'habille le mieux? Et pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Vous devez savoir un truc. Vous devez savoir une chose. C'est que dans ce monde où nous sommes en guerre. Et il y a une guerre, c'est une guerre spirituelle, une guerre qui oppose les anges et les démons. Et quand une personne est face à une situation où elle voit une femme qui est sexy, cette personne est tentée de lutter pour pouvoir résister à la tentation, juste pour ne pas perdre le combat, ce combat spirituel qui est même là, ça existe. C'est réel. Dès qu'une fille s'habille de façon sexy, ou elle-même elle sent qu'elle a plaqué ses seins et qu'elle a plaqué ses fesses, c'est qu'elle est travaillée pour le diable, c'est-à-dire l'autre camp. Et elle est prête à lancer des flèches sur les gens qui vont la regarder. Parce que dès que vous allez la regarder, puis vous allez commencer à avoir des sentiments pour elle, vous êtes dans les problèmes. Vous n'êtes pas attiré par elle parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle a un bon comportement. Vous êtes juste
séduit, tout simplement. Vous êtes envoûté. C'est l'envoûtement. C'est comme la sorcellerie. C'est comme lancer un sort aux gens. Les filles, là, elles doivent bien se vêtir. Elles doivent bien s'habiller. Même pour aller à l'église. Les gens n'ont plus honte. Dis à ton ami qu'à côté, les gens n'ont plus honte. Dis à ceux qu'à côté, les gens n'ont même plus honte, même à l'église. Et puis le plus grave, quand le diable envoie de telles femmes auprès des serviteurs de Dieu, là, dès que lui, il épouse la femme, là, c'est même gardé dans l'église. Elle va se porter pantalon. La femme du pasteur, elle était portée pantalon, se marier dans l'église. Pour séduire les jeunes gardes de l'église. Là. C'est grave, hein. C'est vraiment très grave. Et regardez comment on enseigne les enfants maintenant. Si elle-même, elle est maman, la mère, elle-même ne sait pas comment faire pour s'habiller. Si elle ne sait pas comment faire pour s'habiller. Comment elle va enseigner là, son enfant sur ça? Qu'est-ce qu'elle va même dire à la fille? Je regarde le monde, j'ai regardé. Hein. J'ai ouvert mes yeux là comme ça. Et puis j'ai regardé. Il est aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Il faut que moi je vous pose cette question là. Et vous allez me répondre. Chez les hommes, c'est simple. Les hommes ne s'habillent pas tellement mal en général. En général, de nos jours, hein, les hommes ne s'habillent pas mal. En général, ils s'habillent bien. Ceux qui sont dans les problèmes, là, ce sont les jeunes gens qui s'habillent et qui nous laissent voir les culottes, les sous-vêtements. Je vais porter un jean, tu vois, le gars va porter un pantalon ou bien souple un jean. Il fait descendre un peu le pantalon. Et veut que nous tous ici, on voit sa culotte. Si c'est propre, dis Dieu merci. Si c'est pas propre, tu as un problème. Quelqu'un va dire, ah, tu veux me maudire ou quoi? C'est réel. Il faut descendre la culotte. Il y a quoi encore? Cette manière de s'habiller en se faisant en descendant la culotte là, ça vient d'une prison. Ça dit qu'il y a des prisonniers, et la manière de s'habiller, c'était même ça. S'habiller, en fait, descendre la culotte, et c'est même ça le style. Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait des stars de la musique qui se trouvaient en prison là-bas, comme eux, ils sont restés là-bas longtemps là. Ils ont coupé ce style-là pour venir en même temps ici dans notre monde. Et ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à rapper. Et puis, c'est là. Bon, le style est resté sur eux en même temps. Ça ne va pas les quitter facilement. C'est resté sur eux. Et comme les gens ont commencé à les aimer la musique, ils ont tout copié en même temps, y compris leur manière de s'habiller qui venait de la prison. C'était ça. C'était même ça. Eux, ils se sont rendus compte à un moment donné que ça commençait à prendre. Parce que vraiment, les gens sont plus attirés vers les mauvaises choses que les bonnes choses aujourd'hui. Si vous dites aux gens, si vous dites aux filles, arrêtez de vous habiller sexy, habillez-vous décemment, elles vont dire, oh, laisse-nous tranquille, laisse-nous faire ce qu'on a envie de faire. Quand vous leur dites, oh, est-ce que vous savez que quand vous habillez de façon sexy, vous séduisez les gens, enfin des gens, même le pasteur, elles vont dire, on s'en fout. S'il est séduit, c'est qu'il nous a regardé, il n'a pas besoin de nous regarder. Quand vous séduisez les gens avec vos vêtements sexy là, est-ce que vous attendez à ce que ces personnes-là vous épousent plus tard? C'est comme si vous avez invité quelqu'un. Lui, en temps réel, là, il n'est pas censé être attiré par vous. C'est parce que le vêtement que vous avez porté là, ça a tellement sérieux quoi, il est parti que lui, il aime une femme. Donc tout de suite, il s'est laissé séduire. Et c'est ce qui a été passé. Aujourd'hui là, faites très attention, hein, surtout les hommes là. Faites vraiment très très attention à ne pas vous laisser séduire par les femmes qui exposent leur corps. Même à l'église, les pasteurs, moi je suis allé dans une église un jour. Un ami m'a invité sur l'église. Si il savait. Tu as vu qu'à côté, si tu savais, tu n'allais pas aller. Je suis allé là-bas dès que je suis dans tous les problèmes. Arrivé là-bas, je vois les filles entrer. Vous voyez les filles entrer. Elles sont toutes habillées de façon sexy. Moi, il n'y a que le pasteur même allait prêcher sur ça pour essayer de décourager les filles à s'habiller comme ça. Ah! Ici, là, j'entends la parole. J'entends le message du pasteur. Il ne dit rien. Ah! Il ne parle même pas de ça.
Il dit, mais les gens qui sont dans l'église, tu ne vois pas, hein? Tu vois pas les filles là. Elles sont habillées de façon sexy. Moi, j'arrive. En ce moment, moi, je suis. Je me cherchais. En ce moment, je me cherchais, mais dans l'histoire de Dieu, hein? Je me cherchais. Ah! Il dit, mais je suis arrivé ici. J'ai dit, j'ai venu me reposer là. Voici, j'arrive dans un endroit où le pasteur même laisse les filles là s'habiller comme si elles vont se prostituer. Que pensez-vous de ça? Mais t'as répondu à ma question, je suis chaud. Est-ce que toi me fais coiffer? Regardez. D'ailleurs, toi me fais coiffer un peu. Vous allez me faire coiffer un peu, non? Ou bien? Bon. On va plus laisser les cheveux trop pousser. Tout ça, parce que je ne pourrais pas séduire les gens. Et les filles là vont mettre tes barbes, elles vont dire: ah! J'aime les gens avec les moustaches. Vas-y, c'est une barbe, dis non, j'aime les gens avec les moustaches. Bon, mes frères et sœurs. Ne rigolez plus, hein. Faites très attention à ne pas séduire les gens pour votre manière de s'habiller, parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont retrouvées dans les problèmes juste parce qu'elles se sont mal habillées. C'est comme un témoignage puissant qu'on a vu ici, où il y a une personne qui disait que elle a rencontré une personne, une jeune fille vierge en enfer, et on l'a accusée à cause de son vêtement qu'elle portait. On dit qu'elle était tellement sexy qu'elle a séduit beaucoup de personnes sur son passage, donc elle a couché avec ces personnes en esprit, quoi. Parce que les gens l'ont vu tout de suite, ils se sont laissés séduire, ils ont couché avec la fille dans la tête. C'est un truc de ouf, hein. Voilà, au paradis, je dis que c'est difficile. Mais nous allons faire notre effort et Dieu va avoir pitié de nous. C'est parti pour la finir. Merci beaucoup.